On y va? On y va? Oui. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 13 octobre 2020, la séance régulière de la ville de Rigaud. La séance est ouverte par Hans Grunewald Jr., le maire. La greffière Camille Primo fait fonction de secrétaire d'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020. Camille va vous résumer. Donc, ce point vise simplement l'adoption des procès-verbaux du mois de septembre. Donc, il y a eu une séance ordinaire le 8 septembre ainsi qu'une séance extraordinaire le 22 septembre 2020. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution, mandat de représentation par procureur à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges à la firme Charlebois-Séguin, avocat conseil pour l'année 2021. Camille? Donc, ce point vise à autoriser la firme Charlebois-Séguin, avocat conseil, à représenter la ville de Rigaud par procureur à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges, donc pour l'année 2021. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution. Autorisation de signature d'une entente relative à la fourniture d'un service en sécurité incendie, en prévention et en premier répondant avec la municipalité de Très-Rédempteur. Camille? Donc, ce point est pour but d'autoriser la signature par la Ville de l'entente relative à la fourniture d'un service en sécurité incendie, en prévention et en premier répondant, avec la municipalité de Très-Saint-Rédempteur pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2023, avec possibilité de renouvellement pour 2 années supplémentaires. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, la prochaine résolution, c'est la Fédération canadienne des municipalités. Mario. Excuse-moi. Autorisation de signature d'une entente relative à la fourniture d'un service en sécurité incendie, en prévention et en premier répondant avec la municipalité de Pointe-Fortune. Camille? Donc, ce point pour but d'autoriser la signature par la Ville de l'entente relative à la fourniture d'un service en sécurité incendie, en prévention et en premier répondant, avec la municipalité de Pointe-Fortune pour une durée de 3 ans, avec une possibilité de renouvellement pour 2 années supplémentaires. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Bon, ben, OK, là, c'est à mon tour. Excusez-moi tantôt. Donc, la Fédération canadienne des municipalités fait de l'entente au programme Partenariat municipaux pour l'innovation, développement économique local, PMI-DEL, avec la commune de Siskasso au Mali. Donc, Camille, s'il te plaît. Ce point vise à informer la Fédération canadienne des municipalités que la Ville de Rigaud souhaite mettre fin au partenariat avec la commune de Siskasso au Mali dans le cadre du programme Partenariat municipaux pour l'innovation, développement économique local, PMI-DEL, et ce de façon immédiate, étant donné notamment l'atteinte de la plupart des objectifs en lien avec cette entente et la pandémie actuelle rendant impossible le voyagement à l'étranger. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Autorisation de contrefaction relatif à plusieurs règlements municipaux ainsi qu'à tous leurs agents à 13 octobre 2020. Donc, en est un de 7 pages qui a simplement pour but de à jour notre résolution sur la nomination des officiers désignés pour l'application des différents règlements mentionnés au projet de procès-verbal, ainsi qu'est autorisé à émettre des constats d'infraction, notamment à la Cour municipale. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Il y en a 3 pages. 7 pages. 4 pages. C'est beau. Alors, compte à payer et approbation des chèques du mois de septembre 2020.
Donc, la prochaine résolution vise à ce que les comptes énumérés dans la liste datée du 9 octobre 2020, totalisant 1 378 410,27 pour le fonds d'administration et 4 104,81 payés par délégation soit adopté et que leur paiement soit autorisé, et vise à approuver la liste des chèques produits du 1er septembre au 30 septembre 2020. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Autorisation de transfert budgétaire, octobre 2020. Ce point vise simplement à autoriser les transferts budgétaires comme proposés par la trésorière, le tout conformément aux listes transmises aux élus le 9 octobre pour les services des finances et pour le service technique et infrastructure. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Gestion de personnel, démission de Mme Chantal Lemieux au poste de directrice générale et trésorière adjointe le 30 octobre 2020. Donc, considérant le dépôt d'une lettre de démission provenant de Mme Chantal Lemieux en date du 14 septembre 2020, ce point vise à ce que le Conseil prenne acte et accepte la démission de Mme Chantal Lemieux au poste de directrice générale et trésorière adjointe, effective en date du 30 octobre 2020. Mme Lemieux s'est jointe à l'équipe de l'ex-ville de Rigaud à titre de directrice du service des loisirs le 9 septembre 1991 en service partagé entre l'ex-ville de Rigaud et l'ex-paroisse de Sainte-Madeleine de Rigaud. C'est le 1er avril 2006 que Mme Lemieux a accédé au poste de directrice générale de la municipalité de Rigaud, puis de la ville de Rigaud. Le conseil municipal ainsi que tous les employés municipaux s'unissent pour souhaiter bonne chance à Mme Lemieux et lui offrir leurs plus sincères remerciements pour toutes ces belles années. Madame Lemieux peut être fière de toutes les réalisations accomplies et les nombreux défis relevés. Longue vie professionnelle remplie de beaux défis, Madame Lemieux. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, absolument. Oui. Mais je voudrais rajouter quelque chose. J'espère qu'il y a des gens à Rigaud qui réalisent qu'est-ce que nous venons de perdre. Quand je suis arrivé en 2013 comme maire, j'ai commencé à travailler avec Chantal Lemieux, puis ce matin-là, le lendemain matin des élections, Chantal et moi, on s'est dit, regarde, on va partir à zéro ce matin. Puis quand il y aura quelque chose qui ne fera pas, vous viendrez dans mon bureau, puis moi, je vais faire pareil. Je vais vous parler un peu des capacités de Chantal. Quand on a décidé de faire le projet d'une caserne incendie neuve, un hôtel de Villeneuve, des travaux publics en neuf. C'était le plus gros projet dans le comté de Vaudreuil-Soulanges. Puis on l'a réussi, Chantal a réussi à réaliser ce projet-là. Chantal, 5 étoiles, sois assuré, tu as tout mon respect. D'ailleurs, il y a énormément de municipalités à cette époque-là qui m'ont appelé puis ont dit « Comment est-ce que vous avez fait ça pour vendre, convaincre le monde de faire les trois bâtisses en même temps? » Ben, j'ai dit, c'est parce que je suis bien outillé, en fait, personnel. Chantal, je parlais de toi. Merci, merci, merci. Bravo, Chantal. Ben, merci pour ces beaux témoignages. Puis, je vous souhaite une bonne continuation là, pour la fin de votre mandat et peut-être un prochain en novembre prochain. Et merci de m'avoir fait confiance aussi au cours de ces années-là. Et un gros merci à l'équipe avec qui je travaille, qui sont exceptionnels. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Vous avez des gens avec qui continuer la route qui sont exceptionnels. Donc, merci. Allons-y. Merci de m'avoir. Prochaine résolution, gestion du personnel. Nomination de M. Sylvain Brazeau au poste de directeur du service de sécurité incendie de la ville de Rigaud à compter du 19 octobre 2020. Camille? Donc, ce point vise à nommer M. Sylvain Brazeau au poste de directeur du service de sécurité incendie de la ville de Rigaud, et ce, à compter du 19 octobre 2020. Donc, celui-ci assurait ce poste par intérim depuis le 15 avril 2020. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Gestion personnelle, l'annonce de Mme Danielle Arnotte au poste de secrétaire soutien au service, volet archi communication à compter du
septembre 2020. Donc, ce point vise à entériner le statut des permanentes à Mme Danielle Arnault au poste de secrétaire soutien au service d'archives et communications à compter du 11 septembre 2020, le tout conformément à la convention collective pour les employés col blanc. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Prochaine résolution. Gestion du personnel. Démission de M. Benjamin Aubry au poste de pompier premier répondant sur appel à temps partiel au service de sécurité incendie à compter du 8 septembre 2020. Camille? Ce point vise à prendre acte et enterner la démission de M. Benjamin Aubry au poste de pompier premier répondant sur appel à temps partiel au service de sécurité incendie effectif le 8 septembre 2020 et de le remercier pour les services rendus dans l'exécution de son emploi et ce depuis le 31 mars 2016. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Gestion du personnel, démission de M. Martin Dehou au poste de pompier sur appel à temps partiel au service de sécurité incendie du milieu à compter du 27 septembre 2020. Camille? Donc, ce point vise à prendre acte et enterner la démission de M. Martin Dehou au poste de pompier premier répondant sur appel à temps partiel au service de sécurité incendie effective le 27 septembre 2020 et de le remercier pour les services rendus dans l'exécution de son emploi et ce depuis le 10 juillet 2017. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution, gestion de personnel. Démission de M. Bernard Lévesque au poste de lieutenant intérimaire et premier répondant au service de sécurité incendie à compter du 12 octobre 2020. Camille? Ce point a pour but d'accepter la démission de M. Bernard Lévesque au poste de lieutenant intérimaire et premier répondant sur appel au service de sécurité incendie effective le 12 octobre 2020 et de le remercier pour les services rendus dans l'exécution de son emploi et ce depuis le 14 mai 2007. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Gestion du personnel, mouvement de personnel, octobre 2020. Ce point vise à entériner les embauches et les fins d'emploi au service récréatif et communautaire, au service technique des infrastructures et au service administratif tel que présenté au projet de procès-verbal. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Maintien de l'équité salariale, acceptation de l'entente de service et confirmation de mandat à M. Yves Thérien, de l'Union des municipalités du Québec, UMQ. Considérant que la Ville de Rigaud a procédé au maintien de l'équité salariale le 31 décembre 2015 et que cet exercice doit s'effectuer tous les 5 ans, la Ville doit donc effectuer son évaluation du maintien de l'équité salariale avant le 31 décembre 2020. Ce point vise donc à accepter l'entente de service afin d'octroyer le mandat pour les travaux de maintien de l'équité salariale à M. Yves Thérien et son équipe de l'UMQ, et ce, pour une somme de 4 000 plus toute taxe applicable. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Prochaine résolution. Autorisation de retour en appel d'offres par invitation et approbation des critères d'évaluation et de pondération. Service professionnel pour la réalisation d'une étude aux fins de proposer 3 scénarios de circulation sur le chemin du bas de la rivière. Camille? Donc, considérant qu'aucune soumission n'a été déposée à la suite de l'appel d'offres par invitation pour des services professionnels pour une étude aux fins de proposer 3 scénarios de circulation sur le chemin du bas de la rivière, ce point vise à autoriser à nouveau la préparation et le lancement d'un appel d'offres par invitation pour des services professionnels pour une étude aux fins de proposer 3 scénarios de circulation sur le chemin du bas de la rivière et d'autoriser les critères d'évaluation et de pondération tels que présentés au projet de procès-verbal pour un total de pondération technique de 100 points. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Approbation des critères d'évaluation et de pondération service professionnel d'ingénierie pour la réparation des plans et devises ainsi que la surveillance du chantier pour les travaux de chemisage, de grainage, de conduite d'aqueduc
dans le secteur Saint-François. Madame Camille. Donc, ce point vise à autoriser la préparation et le lancement d'un appel d'offres par invitation pour des services professionnels d'ingénierie, pour la préparation de plans et devis, ainsi que la surveillance de chantier pour des travaux de chemisage, de conduite d'aqueduc dans le secteur Saint-François et d'autoriser les critères d'évaluation et de pondération tels que présentés au projet de procès-verbal pour un total technique de 100 points. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Approbation des critères d'évaluation de la préparation professionnelle pour la préparation des plans et devises ainsi que la surveillance ou des travaux de remplacement des conduites d'eau potable, d'égout et d'égout sanitaire et remise en état des infrastructures sur la rue Hôtel de Ville. Madame Camille. Donc, ce point vise à autoriser la préparation et le lancement d'un appel d'offres par invitation pour des services professionnels d'ingénierie pour la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance de chantier pour des travaux de remplacement de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaires et de remise en état des infrastructures sur la rue de l'Hôtel de Ville et d'autoriser les critères de pondération tels que présentés au projet de procès-verbal pour un total de la pondération technique de 100 points. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. L'autre approbation et les critères d'évaluation et pondération est les mêmes que les deux premiers, mais ça va se faire sur la rue Sainte-Madeleine. Madame Camille. Donc, comme vous venez de le dire, il s'agit d'un point pour autoriser la préparation et le lancement d'un appel d'offres par invitation pour des services professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis ainsi que la surveillance de chantier pour des travaux de remplacement de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaires et remise en état des infrastructures, cette fois sur la rue Sainte-Madeleine, et encore une fois d'autoriser les critères de pondération pour un total de 100 points. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Si c'est un octroi de contrat pour la fourniture et la livraison de sel et de déglaçage pré-traité pour la saison 2020-2021. L'appel d'offres numéro est de 2020-STIR-02 à la compagnie Cell Ice Cap Incorporated. Je fais la proposition. Excuse, Madame Camille. Puisque 8 soumissions conformes ont été reçues dans les délais prescrits, ce point vise à octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage pré-traité pour la saison 2020-2021 au plus bas soumissionnaire conforme pour le sel pré-traité, soit l'entreprise Cell Ice Cap, incorporée au prix de 101,30 $ la tonne métrique, plus toute taxe applicable, pour une quantité maximale possible de 2500 tonnes métriques. Là, je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est... Prochaine résolution, octroi d'un contrat à excavation ADL pour l'aménagement de nouveaux terrains de pétanque au parc Chartier de la Binière. Camille? Donc, ce point vise à autoriser, à la suite de la recommandation de la Direction des services récréatifs et communautaires, l'octroi d'un contrat à excavation ADL pour l'aménagement de nouveaux terrains de pétanque au parc Chartier de la Binière pour une somme de 6 075,77 $, plus toute taxe applicable, le tout payable par le règlement d'emprunt parapluie numéro 372-2020. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est... Oui. Prochaine résolution, COVID-19, appel d'offres 2020-SRC-01. Services professionnels en coordination, planification, organisation et animation des programmes du camp de jour et du service de garde Folie d'été de la ville de Rigaud, paiement de frais supplémentaires à l'Air en fête Inc. Camille? Donc, considérant que des frais engendrés par les règles sanitaires n'étaient pas prévus au contrat initial d'appel d'offres avec la firme L'Air en fête Inc. pour la tenue du camp de jour, puisque le contrat a été octroyé avant le décret officiel de la pandémie de la COVID-19, considérant que les gouvernements provincial et fédéral ont décrété des aides financières pour aider les municipalités québécoises à couvrir les frais supplémentaires engagés des suites de la pandémie, ce point vise à payer une somme de 17 580,42 $, taxes non applicables, à la compagnie L'Air en fête, afin de défrayer les coûts supplémentaires causés par la pandémie de la COVID-19,
durant la gestion du camp de jour et du service de garde Folie d'été 2020, le tout payable avec l'aide des gouvernements provincial et fédéral attribués aux municipalités québécoises afin de couvrir les frais supplémentaires engendrés suite à la pandémie de la COVID-19. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui, dossier des inondations historiques printanières, j'ai cinq. J'ai au moins cinq dossiers. Est-ce que je les nomme un par un? Non, pas besoin. Je vais en faire le résumé. Donc, je vais vous donner les numéros de l'eau. 4 025 592 sur 35 rue Denise et mandat à Diane Parent. Donc, l'autre, c'est 3 607 910 88 chemin Pointe-aux-Sables. Maître Diane Parent. 3 607 921 169 rue Les Tourneaux, mandat à Diane Parent. L'eau 3 608 745 220 chemin Grand Quai, mandat à Diane Parent. Et l'eau 3 608 781 284 chemin Grand Quai, mandat à Diane Parent, notaire. Donc, Camille? Donc, il s'agit en fait là, d'acquérir les cinq lots mentionnés par monsieur pour la somme de 1 $ en lien avec les inondations printanières 2019 afin que le propriétaire puisse avoir de l'allocation de départ. Il est prévu pour les cinq dossiers là, de mandater maître Diane Parent notaire pour la préparation des cinq actes de session et puis autoriser la signature là, par la ville. Donc, je fais la proposition pour ces cinq. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Alors, vente du 391 du chemin J-René Gauthier, autorisation de signature de l'acte de vente et abrogation des résolutions 2015-12-523 et 2019-05-153. Donc, ce point est en lien avec la signature d'une promesse d'achat intervenue le 15 juin 2016 pour la vente du 391 chemin J-René Gauthier. Donc, ce point vise à changer les signataires de cet acte de vente pour la ville afin d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant, ainsi que le greffier ou, en son absence, le directeur du service des finances, afin de signer sous peu cet acte de vente et d'abroger les résolutions précédentes à cet effet. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Prochaine résolution, désaffectation à l'unité publique et alignation de biens, autorisation de mise en vente d'un véhicule du service de sécurité incendie par appel d'offres sur le site du Centre de services partagés du Québec. Camille? Donc, puisque l'échelle du camion échelle Kenworth du service de sécurité incendie est brisée et ne peut être réparée, mais que le véhicule est en bon état et peut encore être utilisé pour d'autres utilités, ce point vise tout d'abord à autoriser la désaffectation du véhicule Kenworth à l'utilité publique afin de le retirer du domaine public et d'autoriser M. Sylvain Brazeau à déterminer le prix plancher de la vente selon l'évaluation et à procéder par la suite à la vente du camion par appel d'offres sur le site du Centre de services partagés du Québec. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Prochaine résolution, coop, c'est sûr, autorisation d'enfouissement d'un câble de fibre optique en bordure du chemin ou sous des chemins. Camille? Ce point vise à autoriser l'enfouissement des câbles de fibre optique par la coop, c'est sûr, aux endroits suivants. Donc, sous le chemin du Petit Brûlé, tout près de l'intersection avec le chemin des Érables et le chemin de la Montagne, le long du chemin du Haut de la Chute, en face du lot 4 025 162, sous le chemin du Haut de la Chute, à l'intersection du chemin Saint-Thomas et le long du chemin Saint-Thomas sur une distance de 130 mètres, le long de la montée de la baie Saint-Thomas sur une distance de 120 mètres jusqu'à l'intersection du chemin Saint-Thomas, le long de la montée de la baie Saint-Thomas sur une distance de 280 mètres jusqu'à l'intersection du chemin de la baie, et finalement le long du chemin Saint-Thomas entre le numéro 775 et l'intersection du chemin du Haut de la Chute. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Dérogation mineure.
92 chemin Deer Hill, régulariser une remise accessoire à l'habitation dérogatoire, lot 3 609 400, zone H38. Considérant que les dérogations mineures doivent être traitées d'une façon particulière due à la pandémie, je vais vous lire l'avis public au complet, juste pour être certain que tout le monde comprenne pourquoi on fait ça de cette façon-là. Étant donné que les membres du conseil municipal, lors d'une séance ordinaire qui se tiendra à moins d'avis contraire, sans la présence du public le 13 octobre, de la dérogation, c'est le 92 chemin Deer Hill, le lot 3 609 400, zone H38. La demande ayant pour effet de régulariser une remise existante située à 50 cm de l'habitation unifamiliale, alors que le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, exige une distance minimale de 3 mètres d'un bâtiment principal à l'article 6.2.2.23. En raison des arrêts ministériels numéro 2020-033 et 2020-049 du ministère de la Santé et des Services sociaux, et conformément à la résolution 2020-06-149, adopté par le conseil municipal de la ville de Rigaud en lien avec la gestion des dérogations mineures durant la pandémie. Toute personne ou tout organisme intéressé est invité à transmettre ses commentaires par écrit concernant la demande CIO à compter du présent avis de la façon suivante. En les transmettant au plus tard le 12 octobre 20 à 23h59, courrier de l'hôtel de ville situé au 106 rue Saint-Viateur de Rigaud, à l'attention du directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, ou déposé dans la boîte aux lettres à l'avant du bâtiment ou par courriel à l'adresse suivante, Luc Boyer à ville.rigaud.qc.ca. En les transmettant le jour de la séance du conseil municipal par écrit, en direct lors de la séance du conseil diffusée sur la page Facebook de la ville à compter du début de la séance du conseil du 13 octobre 2020 à 19h jusqu'à la décision du conseil sur cette demande. Les commentaires seront reçus, lus publiquement avant de que le conseil municipal ne statue sur la demande. Fait et donné à Rigaud ce 24 septembre 2020. Madame la greffière, est-ce que nous avons reçu des commentaires? Nous n'avons pas reçu de commentaires écrits à la suite de l'avis public. Donc, j'ai demandé au directeur de l'urbanisme et puis il n'a pas reçu de commentaires écrits. Donc, est-ce qu'il y a eu des commentaires sur Facebook depuis le début de la séance concernant cette demande? Non, merci. Aucun commentaire sur Facebook. Il n'y a aucun commentaire sur Facebook. Bon, merci beaucoup. Il est proposé et résolu que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour régulariser une remise accessoire à l'habitation dérogatoire pour le 92 chemin Deer Hill, le lot 3 609 400, zone H38. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. OK, prochain item, le PIA 324 projeté chemin Grande Ligne, construction d'une habitation unifamiliale isolée, excusez, lot 4 965 758, lanière patrimoniale, zone H21. Donc, ce point vise, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à accepter la demande de PIIA relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 324 projeté du chemin de la Grande Ligne, à la condition suivante,
donc que les aménagements paysagers en cours avant fassent l'objet de l'approbation d'un PIIA ultérieurement. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Bon, j'ai un autre PIA. 138 rue Saint-Pierre, remplacement du revêtement extérieur en façade, lot 3 607 892, secteur centre-ville, zone C-148. Camille? Ce point vise, à la suite de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à refuser la demande de PIIA relative au remplacement du revêtement extérieur en façade au 138 de la rue Saint-Pierre, considérant le milieu d'insertion et l'historique des transformations apportées au bâtiment. Donc, j'en fais une proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Donc, il y a aussi adoption du premier projet de résolution autorisant un projet comportant plusieurs suites commerciales sur le lot 3 608 231 du cadastre du Québec, 133A rue Saint-Pierre, l'ancienne caisse populaire, en vertu du règlement numéro 347-217 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Pépé, c'est moi. Bon, Camille? Ce projet vise à adopter le premier projet de résolution visant à autoriser le PPC-moi étant un projet de plusieurs suites commerciales sur le lot 3 608 231, étant le 133A de la rue Saint-Pierre. Le projet vise une mixité d'usages commerciaux et de services permettant de dynamiser l'artère, assurant une présence commerciale sur la rue Saint-Pierre et permettant le réaménagement d'un ancien espace vacant identifié comme opportunité de développement au programme particulier d'urbanisme du centre-ville. Il vise à déroger à la grille des spécifications C-148 et à certains articles du règlement de zonage spécifiés au projet de règlement. Afin que le projet réponde aux visions de la Ville, nombreuses conditions doivent toutefois être respectées. Donc, notamment, le projet devra comporter un espace de stationnement pour vélos aménagés près de l'entrée principale du bâtiment et visible de la voie publique. La disposition des déchets doit se faire par un système de type semi-enfoui ou un conteneur masqué par un écran opaque fait d'un matériau qui s'harmonise avec le revêtement du bâtiment, de la végétation à feuillage persistant ou une combinaison des deux. Une borne de recharge électrique de minimum de 240 volts accessible depuis au moins deux cases de stationnement pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables doit être installée sur le site. Donc, je vous invite à aller consulter là, sur le site Internet. Projet de résolution. En prendre plus amplement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. OK. Adoption du projet de résolution autorisant un projet comportant. Ah, ça, c'est fait, là. OK. Oh, c'est une autre résolution? Si je comprends bien. Non, nous sommes rendus à la période des questions. Période des questions, oui. Okay. Parce qu'il y en a deux, là, excuse-moi, là. OK. C'est correct. OK. Je n'avais pas tourné ma page. Bon, période de questions allouée aux citoyens. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, vous pouvez commencer par celles que vous avez déjà reçues, monsieur le maire. Ensuite, je vais vous donner celles qui sont rentrées sur Facebook. OK. Et là, j'ai une question de la part de M. Alain Lapointe. Je vais vous la lire. Lors de la dernière réunion du Conseil, j'avais fait la demande, ma question n'a pas été lue dans son entièreté, relativement au panneau d'arrêt pour l'intersection Bourget et Saint-Viateur. La réponse du maire que ce sera bientôt, mais n'indique aucunement que cet ajout sera fait. La demande a été faite à M. Gauthier il y a plus de 5 ans et rien ne s'est fait. Serait-ce possible d'avoir une réponse précise quant à la mise en place des panneaux? J'ai confirmé avec le directeur des infrastructures cet après-midi même. Et puis, il m'a confirmé qu'ils sont en train d'en poser un peu partout dans la ville
Et puis ceux-là, ils vont être posés soit demain. S'ils n'ont pas été posés après-midi, c'est parce que ça va être soit demain, mais sûrement avant la fin de la semaine. Ça, c'est la première réponse. Est-ce que la direction, la deuxième question, est-ce que la directrice de la ville bénéficie d'une prime de départ? Et si oui, de combien de dollars se chiffrera cette prime s'il y a? Bien, ça me fait rire parce que, savez-vous, Madame Lemieux nous a remis sa démission. C'est une décision de Madame Lemieux et non du conseil. Et puis, Madame Lemieux, je veux simplement vous dire encore une fois merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait à Rigaud. Et puis, je trouve ça surprenant que les gens pensent de cette façon-là. Je trouve ça très ordinaire. Après ce que les 29 ans que vous avez consacrés à la ville de Rigaud, je trouve ça très ordinaire. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, M. Lapointe. Il n'y aura pas de chèque pour une prime de départ parce que Mme Lemieux est en contrôle de Mme Lemieux. Dernière question. À quoi servira le 512 000? Vous avez dans vos questions 914 $, mais ce n'est pas 512 914. Pour vous corriger, M. Lapointe, c'est 512 194. Et puis, cet argent-là va servir à défrayer les coûts qui sont occasionnés à la ville de Rigaud par la pandémie. Ça peut servir à combler un manque de revenus de la mutation. Ça peut multiples choses, des mises aux normes des bâtisses pour pouvoir desservir d'une façon minimale la population. Les coûts sont en train de s'accumuler sur ce compte-là, puis l'argent va être dépensé à la bonne place. D'ailleurs, si vous auriez lu plus loin dans la déclaration de Madame Picard, merci beaucoup. Grâce à cette aide, les administrations municipales pourront couvrir directement leurs dépenses occasionnées par cette dernière. Comme les hausses de coûts liées à la sécurité publique, aux adaptations des bâtiments, à l'opération du camp de jour municipal, processus démocratique dans les municipalités, conseils municipaux, élections partielles et générales, ce soutien vise également à compenser les pertes de revenus des municipalités, comme les revenus de permis, des droits sur les mutations immobilières, des amendes et pénalités et des stationnements. Je pense que ça répond à votre dernière question, M. Lapointe. Merci beaucoup d'avoir posé les questions. Alors, je continue par celles qui sont posées actuellement en direct. Alors, il y a une question de M. Stephen Kerr qui demande, bon, il dit que il y a 2 ans, il avait demandé à ce que la ville change les dates pour l'installation et désinstallation des abris temporaires. Alors, il dit que dans la publication, c'est toujours le 1er novembre. Alors, il demande si on va la changer finalement, si on va changer le règlement. Ben, si je me rappelle bien, la dernière fois qu'on a discuté de ça, on avait permis l'installation plus vite, enlever 2 semaines plus tard, si je me rappelle bien. Dans le fond, on tolère l'installation là, 2 semaines avant. Présentement, au niveau du règlement, c'est toujours le 1er novembre parce que le règlement n'a pas été changé, mais on tolère là, que les gens puissent l'installer à partir du 15 octobre. Le règlement va être changé quand on aura suffisamment de règlements là, à changer en même temps. Exact. Parfait. Merci beaucoup. J'espère que ça répond aux questions de M. Kerr. Ensuite, j'ai un merci de Yannick Vallée. Merci Yannick. Ensuite, il y avait une question de Stephen Kerr qui demandait qu'est-ce qu'on allait faire avec le 500 000, ce que vous avez répondu tantôt. Et il me souhaite de bonnes retraites. Seulement vous dire que je ne m'en vais pas à la retraite. Alors, j'aimerais ça, mais je ne sais pas tout de suite.
Ensuite, un commentaire de Véronique qui dit que les sentiers de l'escapade, c'est en grande partie grâce à mon travail. Alors, elle me remercie, puis elle a dit que c'est un honneur de travailler et de développer des projets avec moi. Alors, merci Véronique. Je continue. Dominique Lauzon, j'aimerais savoir sur le retour de l'appel d'offres 2020-SA01 pour la mise aux normes des bâtiments 1921 rue Saint-Jean-Baptiste. Présentement, il n'y a pas eu de décision sur l'ouverture des soumissions. Le conseil va se rencontrer sous peu pour prendre des décisions sur ce dossier. Ensuite, j'ai une question de M. Kevin Ménard. Un instant, je vais aller juste la rechercher parce qu'elle n'était pas, je ne voyais pas sur Facebook, mais je vous reviens. Donc, M. Ménard nous indique qu'il est possible que les citoyens puissent participer en s'inscrivant, par exemple, sur Teams pour faire partie de l'Assemblée de conseil. Alors, écoutez, on va regarder cette possibilité-là puis voir comment ça fonctionne au niveau des règles du gouvernement. Moi, je n'étais pas au courant qu'on pouvait faire ça, là, mais donc on va vérifier si c'est possible parce qu'on sait qu'on en aura encore pour un bout de temps au niveau des rencontres là, par vidéo-conférence. Alors, on va regarder ça puis le conseil pourra vous revenir là, à la prochaine assemblée sur les possibilités. Ensuite, il y a une question de M. Alain Magnan concernant la sécurité publique. Alors, il dit qu'il semble avoir un gros mouvement de personnel. Alors, il demande s'il y a des statistiques sur les départs. Alors, je peux répondre au niveau administratif qu'il n'y a pas de statistiques. Par contre, ce que je peux répondre au niveau administratif, c'est que ces gens-là ont tous des bonnes raisons. Alors, souvent des raisons personnelles. Vous savez que les gens aux incendies... ça demande beaucoup. C'est un deuxième travail. Donc, il y a des moments où des gens font des choix là, au niveau personnel. Je ne sais pas si Danny a d'autres commentaires à faire à ce sujet-là. Mais... Oui, justement, j'aimerais rajouter quelque chose pour renseigner M. Magnan. Donc, comme tu l'as bien dit, Chantal, il y a beaucoup de déménagements, un, dû au travail et la famille. Donc, vous comprendrez, M. Magnan, que ce sont tous des emplois à temps partiel, sauf la direction. Donc, ça va de soi de suivre la maman, le papa ailleurs, dans une autre ville pour le travail. Souvent, les gens arrivent ici formés, heureusement, et leur but ultime, c'est d'aller dans un service d'incendie à temps plein. C'est ce qui arrive de ce temps-ci. Il y a beaucoup de nos pompiers qui ont quitté récemment pour se rendre dans des grandes villes, Gatineau, Montréal et ainsi de suite, où ils retrouvent un travail à temps plein. Donc, c'est tout à fait normal qu'on quitte un service à temps partiel pour s'en aller dans un service à temps plein. J'aimerais juste dire que c'est un travail très ardu pour l'avoir fait pendant plus de 20 ans. C'est un travail très ardu au niveau du travail, de la formation. Ça demande énormément de temps. Les exigences du gouvernement sont énormes pour ce genre de travail-là. Et heureusement, on a de très bons candidats qui ont déposé le curriculum vitae dans les jours précédents. Donc, il va y avoir une sélection de faits. Vous n'avez pas à vous inquiéter avec votre service de sécurité incendie. Il va extrêmement bien. Donc, tantôt, je ferai les résumés, Chantal, de la formation et des interventions. Donc, c'était juste pour renchérir sur la question de M. Magnan. Merci, M. Lalonde. Madame Lemieux. Alors, il n'y a pas d'autres questions actuellement sur Facebook. Alors, peut-être présenter vos différents rapports. Je vais continuer à lire si quelque chose vous revient à la fin. Excellent. Donc, merci. On est rendu aux questions pour les élus. Considérant que Mme Frigo du district numéro 1 est absente due à la maladie, sa santé. Donc, on va aller directement au district numéro 2, M. Archie Martin. Oui, oui, ça me fait content d'être capable de discuter avec vous un peu. C'est malheureux pour le Festival des couleurs, n'a pas eu lieu la fin de semaine, mais j'ai pris le temps de passer à travers de mon district. J'ai visité tous les stationnements, puis j'ai marqué stationnement 4
Il y a la police provinciale était là. Je ne sais pas si elle donnait des contraventions ou pas. Il y avait beaucoup de chars qui sont stationnés sur le bord de la route. Les autres stationnements, c'était pas mal tout plein, même au descendant de la rue Bourget. C'était beaucoup de chars stationnés le long de la rue Bourget en direction de Rigaud. C'est dans les côtes. Ça fait, c'est sûr, tant ici de l'année, on a un problème avec les stationnements pas mal partout. On va dire de ce côté que les autos, ils stationnent beaucoup. Il y en a des citoyens qui m'ont demandé si que la ville allait poser des non-parking, pas le droit de stationner. Je ne sais pas tout, avec toutes les places que j'ai été voir. La seule place où c'est vraiment abordable pour recevoir beaucoup de chars. J'ai vu des chars qui venaient de l'Ontario. J'ai vu beaucoup de chars avec pas mal toutes les plaques du Québec. Le petit parc qu'on a sur la rue Jean-René Gauthier, il y avait beaucoup de chars là aussi. Mais là-bas, si on ne compte pas les rues, le stationnement de M. Fauché était complètement rempli avec du monde. Je ne sais pas si que l'escapade n'était peut-être pas pleine à sa pleine capacité avec la COVID-19. Ben, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Et même Lourdes, j'ai monté à Lourdes. Lourdes, c'était pas mal comblé aussi. Avec du tout, ils sont stationnés, même le stationnement. Jusqu'ils prennent les autobus, jusqu'ils les enfants prennent les autobus pour le collège Bourget, il y avait même des autos stationnées dans ce stationnement-là aussi. Ça fait, c'est sûr qu'on a un problème. Le festival de couleurs n'est pas là, mais on va dire sur le côté de la montre, ils viennent encore à Rigaud à cause de la montagne. Ça fait, c'est sûr que il y avait un gros manque. Pour moi, il y avait un gros manque. J'aime beaucoup le festival de couleurs. Puis il y a eu un. Comme un manque là, pour la fin de semaine. Ça fait un OEV, ça va aller à l'année prochaine. On va souhaiter qu'on va passer tout à travers bien en santé pour l'année prochaine pour le Festival des couleurs. Ça fait, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous à soir. Merci. Merci, M. Martin. M. Boucher, district numéro 4. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais profiter. Monsieur Boucher, j'ai passé par-dessus Edith. J'espère quand même votre venue, mais c'est pas grave. Excuse-moi, Edith, je te demande pardon. J'ai passé par-dessus. S'il vous plaît, Edith du district numéro 3, c'est à ton tour. Merci. Alors, bonsoir. Comme vous savez, nous sommes rendus maintenant dans la zone rouge. Alors, à cause de ça, on ne pourra pas faire un synopsis de ce qui va se passer pour la section des loisirs parce que, comme on vient de le savoir, d'ici vendredi prochain, on va pouvoir vous dire ce qui est cancellé, ce qui continue, ce qui va changer. Il faut qu'on travaille sur le dossier, là. Alors, d'ici vendredi ou plus tard, on pourra vous mettre au courant de toutes les activités qui vont fonctionner ou pas. Et encore une fois, comme nous sommes dans la zone rouge, je continue de vous implorer d'aller commander de votre restaurant préféré pour le ramasser, d'aller visiter nos commerçants. Pensez à eux, c'est vraiment une période qui est très difficile pour tout le monde, c'est sûr, vous aussi, mais tout ce qui est restaurant, ils vont y goûter. Alors, s'il vous plaît, si vous avez une petite faim, appelez donc pour un take-out. Ça va leur faire plaisir. Alors, merci. Et on se voit le mois prochain. Merci beaucoup, Mme de Harn, du district numéro 3. Puis je vous demande encore pardon. Monsieur Boucher, district numéro 4. OK, bonsoir tout le monde. Moi, je vais me profiter de mon petit moment pour... je voudrais encore personnellement remercier Chantal pour ses 29 années de service et de dévouement pour la ville de Rigaud.
Puis je te souhaite bonne chance dans tes nouveaux défis que je suis persuadé que tu vas relever haut la main. Fait qu'encore une fois, merci Chantal. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Oui, un court résumé là, au niveau de notre service de sécurité incendie pour le mois de septembre 2020. Donc, il s'est tenu 3 formations et une séance de formation d'incarcération durant le mois. Le 12 septembre a eu lieu des examens pratiques d'opérateurs de pompe et de désincarcération. Le lieu à notre caserne ici à Rigaud. Ils sont en attente des résultats et toutes les mesures sanitaires demandées par l'école ont été respectées. Donc, au niveau des interventions entre la période du 1er et le 30 septembre, ils ont répondu à 14 appels incendies. Parmi ceux-ci, ils comptent 5 appels pour des feux à ciel ouvert ou de débris, un début d'incendie de bâtiment, une alarme en fonction, une décarcération, une évaluation d'un blessé, une évacuation, pardon, d'un blessé en forêt. Ils ont eu recours à l'entraide à 2 reprises. Ils sont allés porter main forte à leurs collègues à une reprise au cours du mois de septembre. Donc, à titre comparatif, au 30 septembre 2020, ils ont répondu à 176 appels incendies, comparativement à 180 à la même date en 2019. Donc, au niveau intervention premier répondant, entre le 1er et 30 septembre, 40 appels. Le service premier répondant va toujours bien. Toutefois, ils ne répondent pas aux appels COVID-19 confirmés ou suspectés par la répartition lors de la prise d'appel. Donc, au 30 septembre 2019, ils avaient répondu à 469 appels comparativement à 212 au 30 septembre 2020. Donc, pour ma part, Chantal, j'aimerais te remercier. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Tu m'as appris des choses, tu m'as ouvert les yeux sur certains dossiers. Tu as fait un excellent travail. Puis moi, je suis ravi du travail que tu as accompli pendant ces nombreuses années-là. Encore une fois, merci Chantal, puis bon défi, puis au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, M. Lalonde. M. Gauthier du district numéro 6. Moi, je vais aussi finir avec Chantal pour lui dire un très gros merci de ses années de travail, de labeur, qui n'était pas toujours facile. C'est du travail sur 24 heures sur 24. Hein, j'ai beaucoup apprécié que tu sois là toutes ces années-là pour notre ville. Au début, une paroisse, ta ville. Fait que merci pour tout ce que tu as fait pour la ville. Merci, M. Gauthier. Allez-vous parler du département de l'urbanisme? J'ai pas reçu mon. Oui, mais ça fait un petit bout, vous l'avez reçu. Je pense. Pardon? Le prochain mois. Ça fait un petit bout, vous l'avez reçu la semaine passée. Je vais faire le condensé le prochain mois. Je ne l'ai pas reçu, j'ai regardé. Là, puis... OK. Il n'y a pas de souci. M. Gauthier. Soyez pas inquiète, on va le dire le mois prochain. C'est la dernière fois, Mme Lemieux, qu'on va être ensemble sur le même écran. Ouais. Pour un bout, en tout cas. OK. Moi, je peux juste rajouter, je pensais jamais à devenir maire d'une ville comme Rigaud, qui avait autant de défis. Puis quand je t'ai vu aller pendant toutes ces années-là, t'as une main de maître pour trouver des solutions. J'ai admiré travailler avec toi. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est tous des beaux témoignages. Je vous remercie du fond du cœur pour cette soirée. C'est sûr que c'est la dernière ensemble, mais vous en aurez d'autres ensemble, vous, de votre côté. Fait que je vous souhaite de trouver une personne qui va aussi vous accompagner dans vos différents projets puis défis, vous aussi. Il y en a plusieurs. Les gens ne savent pas l'ensemble des défis qu'une ville gère une ville peut contenir. C'est exponentiel, je vous dirais. Il n'y a pas de limite.
Alors, je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre côté aussi, bien sûr. Merci, Madame Lemieux. Merci. Merci, Chantal. Merci. Alors, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, je propose, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 19h54. On fait la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Merci Camille. Bonsoir. Merci bonsoir, Simon. Merci tout le monde qui ont participé à faire fonctionner la réunion. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.